Le peau d'âne de Jacques Demy. Enfin, qui m'a montré surtout la beauté de Catherine Deneuve et qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est un film que j'ai dû voir 250 fois. J'ai dû rêver de cette robe couleur du temps et de cette robe couleur soleil et de cette robe couleur de lune plein de fois. Et j'ai très très hâte que ma fille de 2 ans et demi ait l'âge de le voir. Comme ça, je vais le revoir 250 fois avec elle. Faire le cake d'amour aussi avec toi ? Moins le cake. Enfin, plus l'ouverture, la baguette magique, que le cake. The Hours, Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore. Je me fais avoir à chaque fois. Il m'a bouleversée la première fois que je l'ai vu et du coup, je l'ai tellement aimé ce film pour sa structure, pour les actrices, pour l'émotion, pour la scène avec Ed Harris, pour... Je me rappelais de certains plans, je me rappelais d'expressions de visage des actrices. Enfin, il m'a énormément marqué. Du coup, j'ai eu très peur de le revoir. Parce que c'est toujours très risqué de revoir un film qu'on a à ce point-là aimé. Et en fait, je l'ai revu il y a quelques mois. Mais je crois que j'ai pleuré exactement aux mêmes endroits des années après. Parfois, quand la journée commence à 7 heures, avec les enfants, puis le travail, puis les problèmes, puis les solutions à trouver, puis aller faire les courses, puis revenir, puis faire les devoirs, puis préparer le dîner, puis jouer un peu pour se déculpabiliser d'avoir travaillé toute la journée, et puis lire l'histoire, puis la deuxième, puis la troisième, puis aller coucher les enfants, puis ensuite retravailler un peu jusqu'à 1h du matin, j'ai un peu l'impression d'avoir une petite journée Kill Bill, petite journée Kill Bill normale, quoi. Au cinéma, et cet été avec mon fils beaucoup, et j'ai adoré ce petit rituel qui m'avait tant manqué pendant tout ce qu'on a vécu dernièrement, de choisir la bonne confiserie, d'être excité, d'acheter la place, d'arriver dans la salle, de se blottir l'un contre l'autre, de se demander si on va aimer, de le voir hurler de rire parfois, de voir son regard me dire « mais est-ce que je peux regarder? Tu crois que cette scène d'amour, ça va aller ?» La sortie de cinéma, quand il fait un peu nuit et qu'on improvise un petit dîner, voilà. Ça, c'est les vrais moments. Il y a autant le plaisir d'aller découvrir le film que tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'une bonne bande-son quand on est réalisatrice, quand on est réalisateur ? Moi, en tout cas, sur mes derniers films, c'est des rencontres avec des gens. L'envie de travailler avec des gens, le coup de foudre, ce qu'eux peuvent apporter. Et je suis autant obsédée par l'image que le son. Et donc, c'est vrai qu'après, je travaille... beaucoup, beaucoup avec eux. Et le dernier film, je l'ai fait avec Asaf Avidan, qui m'a apporté énormément de choses pour le film. Et le prochain, je le fais avec Archive. Voilà. Et alors, Archive, j'écoute la musique d'Archive depuis toujours. Il y avait des chansons qui m'ont tellement rendu dingue que j'avais envie de faire des films juste pour ces chansons. Donc là, maman, c'est... Voilà. Donc je suis excitée comme une puce. Je vais pas faire l'excitation de la puce, mais j'ai senti un...